êtes là devant moi, vous êtes belle, vous êtes vivante, vous êtes lumineuse, et vous avez décidé de mourir. Pourquoi ? Les muscles donc meurent, c'est la paralysie progressive qui devient totale, jusqu'à ne plus pouvoir déglutir, donc manger, être nourri par une sonde dans l'estomac directement, et les muscles pour respirer. Après, qui meurt et vous vous étouffez. Vous avez décidé de mourir, vous étiez fixé une limite, vous mettriez fin à vos jours quand vous ne pourrez plus ni vous nourrir ni faire votre toilette, c'est ça ? C'est cela, et déjà je commence à avoir dépassé cette limite. Je ne peux plus rien faire du tout. Il me faut une assistance totale de la première heure du lever jusqu'à la dernière heure du coucher. Là, c'est parce que je sais que de toute façon, dans 2 mois, ça va être l'horreur, et dans 4 mois, là, encore pire que l'horreur. Et après la mort. Donc, Comment vous avez fixé la date et le jour de votre mort ? Comment vous avez fixé la date et le jour de votre mort ? Comment vous avez fixé la date et ce qu'il faut résoudre ? J'ai dépassé le seuil d'acceptation. J'ai dépassé le seuil d'acceptation. Partir pour mourir. Il faut tout quitter, oui, il faut partir à un moment donné. Ça reste une douleur intense.
parle du mourir, hein, pas de la mort, parce qu'une fois qu'on n'est plus là, on n'est plus là.